qu'on met en avant donc un homme, et c'est Philippe Kaeplein, puisqu'il a vécu une partie de sa vie au puits, et c'était intéressant aussi de montrer à la fois son œuvre qui relève de l'art sacré, et puis également, surtout d'ailleurs, ce qui relève de l'art profane à travers son bestiaire et le lien qu'il a avec Kaeplein ou avec le monde littéraire également. Et il est mort très apaisé, très abandonné, très dans une douceur et une parfaite confiance dans l'au-delà. C'était vraiment une mort absolument admirable. Quand j'étais à Paris dans son atelier, en revenant de l'école, je me précipitais dans l'atelier au détriment de mes devoirs. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise scolarité, mais j'étais enfant d'atelier, oui. Et il m'aidait un peu à faire du plâtre, à faire du métal, à faire du bois. Voilà, oui. Mais j'ai vécu dans l'odeur de la soudure, dans l'odeur des copeaux de bois, dans l'odeur des différentes essences de bois. Il a commencé par être un sculpteur sur pierre pendant très longtemps, chapiteau tenant les bains, il a travaillé à Jérusalem. Et ensuite il s'est mis au bois jusqu'à l'âge de 35 ans. Et ensuite il s'est mis au métal. Et le jour où il s'est mis au métal, probablement un vieux fond d'orfèvre est revenu en lui, qui venait peut-être de ses origines suisses, qui a fait qu'au fond, la fin de sa vie a terminé par des œuvres métalliques très précieuses.